Bon matin à toutes et tous. Eh bien, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle pour avoir un message de vos défunts. Sachez avant toute chose que vos défunts souhaitent vous transmettre leur message, répondre à vos questions, mais il est impératif que vous compreniez qu'ils ne connaissent pas le futur et qu'ils sont limités dans leurs gestes. Ils ne peuvent donc faire les choses à votre place et sont incapables d'influencer votre vie et celle des autres. Il est aussi très important, lorsque vous considérez que le message ne répond pas à votre question ou que vous ne voulez pas d'une question, eh bien n'interrogez pas le défunt d'une autre façon. Laissez passer du temps et réécoutez la carte que vous avez choisie plus tard. Vous comprendrez peut-être mieux le message. Il est aussi possible, eh bien, que le défunt à qui vous posez la question ne soit pas disponible. S'il n'est pas dans la lumière, il ne peut établir une communication avec vous et est donc dans l'impossibilité de vous répondre. Alors chaque carte est au masculin, c'est pour alléger le texte, n'est-ce pas? Mais le message peut provenir tant d'un homme que d'une femme ou même d'un enfant. Il est aussi très important de ne poser qu'une question à la fois. Soyez clair et précis ou demandez tout simplement quel message tel défunt voudrait que vous receviez présentement. Votre question ne doit pas être axée sur votre vie future. Concentrez-vous en fermant les yeux et quand vous êtes prête, prêt, eh bien posez votre question, soit à voix haute ou dans votre tête, et choisissez eh bien la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Exemple comme question, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as retrouvé des membres de la famille? Est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu vois tous les efforts que je fais dans ma vie? Es-tu heureux? Heureuse? Qu'est-ce que tu aimerais me dire aujourd'hui? Etc. etc. Eh bien voilà, soyez bien à l'aise pour poser votre question. Et encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Eh bien voilà, je vous retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À très vite. Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour un message peut-être de un de nos défunts, n'est-ce pas? De ce jeudi 8 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin, que faisons-nous pour les autres? Belle question. On attend généralement beaucoup des autres, n'est-ce pas? Mais on se pose moins souvent la question de savoir ce que l'on peut faire pour eux. Sommes-nous aussi généreux que nous pensons l'être? Savons-nous rendre service à un ami ou même à quelqu'un que l'on ne connaît pas? Laissons-nous notre place à une personne âgée dans le bus ou le métro? Saurions-nous prêter un peu d'argent à un proche dans le besoin? Eh bien, prendre conscience des progrès qu'il nous reste à accomplir. Ça, c'est important. L'altruisme fonctionne
comme un muscle. Il faut le travailler au quotidien. Belle philosophie de ce matin. Alors, je vais vous laisser un instant pour choisir votre carte numéro 1, la 2, la 3. Soyez bien à l'aise et bien pour poser votre question et peut-être que vous allez recevoir une réponse. Voilà, je vous laisse un instant. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords, eh bien, sont des émotions très lourdes à porter. Alors mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Cette carte vous annonce, eh bien, qu'un être cher, à qui vous étiez très très attaché, vous rend votre liberté physique, mentale et émotionnelle. Loin de vous abandonner, n'est-ce pas? Cette âme a réalisé que l'attachement entre deux personnes, ne vivant pas dans le même monde, peut créer des limites, les empêchant d'avancer dans leur cheminement. Eh bien, à partir de maintenant, vous pouvez faire des choix de vie sans vous sentir coupable envers la personne décédée. Alors, par exemple, vous défaire de ses effets personnels, vendre la maison ou l'entreprise, ou encore développer une nouvelle relation. Elle accepte. Elle accepte avec plaisir et soulagement ces changements. Cette liberté profitera aussi au défunt. Cela lui donnera l'énergie nécessaire à son évolution spirituelle. Et comme ça, il pourra dorénavant se concentrer un peu plus sur lui et poursuivre ses apprentissages sans remords ni culpabilité. Eh bien voici, c'était le message de la carte numéro 1. Voici le message pour la carte numéro 2, l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends. Que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Eh bien, c'est un message d'une âme qui n'a pas pu, pour différentes raisons, n'est-ce pas, s'incarner sur notre plan terrestre. Elle est retournée dans le monde de l'au-delà. La petite âme peut aussi choisir d'évoluer auprès de ses parents tout en vivant dans un plan parallèle. Et sachez que ce n'est pas parce qu'un bébé décède en cours de gestation qu'il ne peut pas communiquer avec nous. C'est un corps physique qui n'a pas été mené à terme, mais l'âme, elle est toujours vivante et elle peut parler. Alors, eh bien, cette âme, elle est consciente de la peine de ses parents. Elle vient par le biais de ce message les rassurer et leur dire qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Elle veut que vous continuiez de lui parler et de lui envoyer des prières. Comme le temps n'existe pas dans l'au-delà, n'est-ce pas? Eh bien, ce petit être
sera là au moment où les parents quitteront le plan terrestre. Waouh, quel beau message de cette petite âme. C'est prenant, n'est-ce pas? Vraiment. Nous terminons avec la carte numéro 3 et le message est « Merci ». J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, eh bien je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Eh bien, cette carte sert d'outil à une personne qui est décédée dans votre entourage et qui veut vous offrir toute sa gratitude. Il désire aussi vous dire que durant son passage sur Terre, il n'a pas eu conscience de votre besoin de reconnaissance. Et la personne décédée, eh bien, elle veut partager avec vous l'émotion qu'elle a ressentie lorsque vous avez pris le temps de vous occuper d'elle. Alors qu'il s'agisse d'un petit geste comme de lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles ou de l'abandon temporaire de votre horaire prévu pour vous occuper d'elle complètement. C'est important pour elle que vous compreniez ce message et ce, pour son avancement spirituel dans l'au-delà. Sa perception et son interprétation lui demandent de vous dire merci. Il ne vous reste qu'à l'accepter. Ça peut être une autre signification. Ça peut revêtir vraiment une autre signification. Par exemple, le défunt veut vous remercier pour les prières que vous lui avez adressées dernièrement, ainsi que pour les pensées que vous avez eues à son endroit. Ça peut être aussi un remerciement que vous lui brûlez un cierge, par exemple, si vous le faites. Eh bien, c'est un remerciement. Voilà le dernier message pour la journée. Et maintenant, bien la petite carte du petit oracle des couleurs, j'ai pigé mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour les derniers messages de nos défunts, puisque demain nous serons vendredi. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.